Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la réaction live du chapitre 295 de My Hero Academia. Bon, là on arrive vers la fin de l'arc, donc je sais pas, peut-être Horikoshi il nous a terminé cet arc en 2020, ça pourrait être sympa. Donc on va voir ça tout de suite. Alors, ça commence par un réveille-toi. Persistant, c'est ça le titre du chapitre. Franchement, je trouve que Deku a été persistant. Je sais pas si ça va parler de lui, mais en même temps, il est très beau le dessin. Encore une fois, je vais pas m'arrêter sur chaque dessin, mais là, c'est vrai qu'il est encore bien fait. Je suis tombé dans les pommes parce que, à cause de le truc de Dabi, où est Todoroki-kun? Il est là, heureusement, il est en vie. Ok, déjà, c'est bon. C'est un truc de dit, mais en même temps, on le savait dans le dernier scan. Ah, il ressent une sensation bizarre. Oh non! Un autre alter! Ok, c'est la détection du danger. Mais en fait, c'est Spider-Man, le mec. Parce que Spider-Man... Bon, bref, j'en parlerai pendant les reviews, mais là, il s'est clairement inspiré de Spider-Man. C'est pas possible. Bon, il a pas encore sorti ce truc. C'est comme quand le Black Whip, il a paru. Ah, donc ça lui fait mal à la tête et tout. Mais c'est normal, c'est un nouveau pouvoir. Les gens, ils grandissent avec leur pouvoir. Et lui, il en a un comme ça qui arrive en lui. Purée, 4 haltères. Oh là 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 là, là on continue sur la Ligue des Vilains avec Mirio. Juste en face de Mister. Oh là là, mais il s'est pris. Oh là. Mais il est mort, lui. C'est triste. Mais Shigaraki, là, je crois, il va se réveiller. En plus, avec le réveil de Midoriya, obligé. Oh là là, il aura pu rien faire. T'as un petit flashback de lui. En même temps, s'il lui arrive un truc, c'est vrai que ce serait cool de voir ça. Quand je suis arrivé, j'ai vu Denomu au loin. Et il bouge tant que Shigaraki est éveillé. Ok, d'accord. En gros, il peut réveiller les autres Nomu s'il est éveillé. Mais pas s'il est dead. C'est pour ça qu'il va essayer de gagner du temps. Ah, c'est pas terminé son truc. Mais c'est pas possible, il est à moitié mort là. Je vais essayer de gagner du temps pour Shigaraki et Spinner. Je n'ai plus d'autres tours dans mon sac. Donc, ce sera de la chance. Et une diversion pour gagner du temps. J'ai caché Dabi dans ton écharpe. Eh, hey, pas mal. C'est vrai que ça sert à rien là de tous les montrer. Mais s'il meurt, est-ce que son alter il reste? Bon, je crois pas. Ah, Mirio, il va pas laisser. Hein. Donc, c'est à toi, Spinner. Tu es le plus loyal à Shigaraki après tout. Vous deux jouerez le rôle de mes assistants. Ah, ça continue avec le délire de tour de magie. Je n'étais pas sûr à propos de ses effets. Quand j'ai attaché tout le monde à mon corps, c'était étrange. Shigaraki qui parle, là, c'est encore dans le flashback. Je me sens tellement mal que je pourrais vomir. Mais je me sens bien. Ton truc, il est dead. Enfin, comment on dit, ton suit, ton costume. Ok, d'accord, il est vénère. Je veux juste que tu te souviennes. Oh. Oh, cette page. Mais franchement, ces dessins, ils sont ouf. Surtout avec Shigaraki. Il fait flipper. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas compris. Ah, ça y est, il a fait un appel. Ah, grâce aux mains de... Mais pourquoi c'est les mains de Spinner qui sont comme ça? On dirait des balais. Bon, il y a tous les Nomu. Ah purée, ça fait peur. Hein. Tu as vraiment acquéri de grands associés. Ce pouvoir du cœur.
Les gens le sentent, ou je sais pas quoi. Ah, plus il a de sentiments ou un bail du genre, et plus. Mais là, c'est All for One qui parle. Oh, purée! Shigaraki est dead. Ne lâche pas cette haine. Les Nomu arrivent. Ah, apparemment, ils peuvent envoyer des signaux détaillés aux Nomu s'ils font très attention. Enfin, techniquement, techniquement. Donc, c'est apparemment, c'est compliqué pour Tomura parce que je sais pas, il est jeune, je sais pas quoi. Spinner, il fait qu'est-ce qu'on fait à propos de compresse? C'est bon, Higuchi-kun. Je vois pas c'est qui Higuchi, peut-être. C'est parce que je connais pas les prénoms. Tomura a été battu par le All for One et Endeavor. Oh là là, la page elle est monstrueuse. Il y a 100 000 Nomu qui arrivent. Et le score va être marqué. Parce que tout ça était dans mon but. Ok, d'accord, c'est All for One. C'est All for One. Il est là. Il est là, mesdames et messieurs. Dabi est avec eux. Ils vont les perdre. Ils vont pas réussir. Endeavor, tu vois tout le monde qui essaye. Mais ça y est, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Deku! Deku! Grosse action de Deku! De notre joueur Deku! Oh, il a dit on se rencontrera plus tard quand ce corps il sera prêt. Eh mais ça veut dire peut-être il va garder le corps? Ferme-la, All for One. On se reverra, Deku! Shigaraki. Tu as tué plein de gens et a blessé tout le monde. Je ne pourrai jamais te pardonner, je ne peux pas te pardonner. À ce moment-là, tu as été absorbé par All for One. Ah mais là c'est si c'est le narrateur qui parle, le Deku du futur, clairement, bah c'est mort. Ça veut dire il reviendra pas. Bon, prochaine page. À ce moment, page magnifique. Page magnifique, ça y est, ils disparaissent. Bon, on sait pas comment ils disparaissent, mais c'est très beau. On continue. À ce moment, quoi? Ton visage? Oh non, ça va être un truc plein d'émotions. Obligé, ça va être. Ok, t'as tout le monde qui est dead. Tu vois tout le monde. Ça, c'est une fin d'arc épique. De porc épique. Oh là là, ton visage ressemblait à quelqu'un qui demandait de l'aide. Enfin, comme si tu demandais de l'aide. Purée, c'est chaud. C'est chaud. Mais en même temps, pour des coups, que son pire ennemi, ce soit une personne qu'il faut sauver, bah c'est carrément le personnage. En vrai, des coups, je ne le voyais pas avoir un ennemi qui devait juste battre. C'est pas dans le caractère du personnage et en termes. C'est pas ce qui correspond au personnage. Bon, bref, c'est la fin de ce chapitre qui était ouf. Fin d'arc clairement. Après, il y aura les retombées, bien sûr. Et c'est pour ça que on attend ça. Cet accent était pourri et gênant, mais c'est pas grave. Bon, là, demain, il va y avoir la review du chapitre, sûrement le soir, sûrement le soir. Donc, on se retrouve à ce moment-là. Au pire, ça arrive vers 18h, mais je crois que ce sera plus vers 20h, 21h. En attendant, je vous propose de vous reposer, de commencer le week-end calmement. Et je vous dis ciao tout le monde, paix sur vous.